Good morning, Ale Yiden. Les tu sois aujourd'hui le Nishmat, mon Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahuda, Sarah ben Tanan, Rachel, Shlomo ben Esther, Risha ben Chaim, Nechemia, ce que l'Yofo, Adavar, Mori ben Reout, Betor, Shah, Chole Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, qu'on récolte 5 minutes éternelles, nous étudions Masech Ezvachim, Rek Yod Gimel, Mishnah Vav. Hakometz ve'alevona she'ikri ve'techal men bachutz, Chayav. Rabbi El Azar, Poter, Al she'ikri ve'tashani. Echad bifnim ve'chad bachutz, Chayav. שני בזיכי לבונה שיקריב את אחד מן בחוץ, חייב. רבי אלעזר פותר עד שיקריב את השני. אחד בפנים ואחד בחוץ, חייב. הזורק מקצת דמים בחוץ, חייב. רבי אלעזר אומר, אף המנסך מהחג בחג בחוץ, חייב. רבי נחמיה אומר, שירי אדם שיקריבן בחוץ, חייב. Une משנה, qui est pour les deux tiers, qui nous rapporte à la Mishnah d'Alet, assez longue, qu'on avait expliqué longuement, deux précédentes, quoi, celle juste avant, où on avait expliqué longuement une machloquette importante avec Rabbi Elazar et Chachamim, ça refait surface dans d'autres situations. On rappelle très rapidement le principe. On est d'abord dans l'interdit de Ma'ale Bachutz, l'interdit de faire brûler ou monter sur le Mizbeach, à l'extérieur, sur un Mizbeach qu'on a construit à l'extérieur du Beit HaMikdash. Soit, il y a une mitzvah de prendre lorsque je suis dans le Beit HaMikdash. Il y a des choses qui montent sur le Mizbeach, qu'il s'agisse du sang, qu'il s'agisse d'une oblation, du kometz, du prélèvement que l'on fait, de l'échantillon qu'on prélève pour le brûler au feu, qu'il s'agisse bien sûr des corbanotes, de faire monter les parts, les graisses internes, les graisses qui montent sur le Mizbeach, les membres de la Ola, toutes choses que l'on doit brûler à l'intérieur du Beit HaMikdash. La destination de toutes ces choses-là, c'est le Mizbeach à l'intérieur du Beit HaMikdash. Si tu as construit un hôtel à l'extérieur du Beit HaMikdash et que là-bas tu les as brûlés en l'honneur d'Hachem, on transgresse l'interdit de Ma'ale Bachutz, un interdit sur lequel on est passible d'un Chiyuv Karet. Ok ? Principe très clair. Il y a maintenant une singularité qu'on a expliquée dans la Mishnah d'Alet, c'est le principe du Matir. Il y a des Korbanot, pour plein de Korbanot, chaque Korban il a en réalité son Matir, parce que quasiment toujours. C'est quoi le principe du matir? C'est que il y a une action à faire, un échantillon à prélever et à porter sur le mizbeach pour pouvoir permettre tout le reste. Par exemple, la mincha, c'est le meilleur exemple, parfait. Tu vas faire une oblation, t'apportes une certaine quantité de farine mélangée avec de l'huile, avec de l'eau, ou peu importe, une pâte. Ça, c'est la mincha. Tu dois maintenant, la mitzvah est de prendre, que le Kohen prenne un échantillon, et cet échantillon-là, il va le brûler sur le Mizbeach. D'accord? La même chose avec... on va se contenter ça, d'accord? C'est l'exemple qui nous arrange pour le moment, on ne va pas compliquer. Après, la Mishnah elle va nous rapporter d'autres exemples. Il y avait maintenant une machloquette essentielle entre Rabbi El-Hazar et Chachamim. À savoir, imaginez que l'échantillon que j'ai pris, il est composé d'un volume de deux olives. Pour pouvoir être Hayav Bachutz, il faut nécessairement qu'il y ait au minimum un kazaït. Mais, il y a quelque chose de particulier. C'est que le matir, alors, on apprenait comme ça, il y avait trois situations. Tout d'abord, bien sûr, il faut le brûler entièrement à l'intérieur du Beit HaMikdash pour faire la mitzvah. Si toutefois tu l'as coupé en deux, la moitié tu l'as fait brûler sur le Mizbeach, l'autre moitié tu l'as perdu, tu ne t'es pas acquitté de ton devoir, parce que le matir, il a été apporté à moitié. Donc tu n'as pas fait le matir. L'échantillon, on t'avait demandé d'apporter un demi-échantillon, ça ne sert à rien. D'accord? C'est un principe très important, ce qui va influencer justement toute la machloquette entre Rabbi Elazar et Chachamim. Alors maintenant, la partie commune entre Rabbi Elazar et Chachamim, ça se passe comme ça. Lorsqu'on va prendre l'échantillon, on va le couper en deux. La moitié, on va le mettre sur le Mizbeach à l'intérieur de la Hazara. Et l'autre moitié, on va partir la brûler à l'extérieur du Beit HaMikdash, dans un hôtel, en deuxième lieu. Alors, là, même Rabbi Elazar nous dira, s'il y avait un kazaït, tu seras chayav. Mais si toutefois on a fait le contraire, on a commencé à brûler le kazaït à l'extérieur du Beit HaMikdash, tandis que l'autre zaït, il est encore resté au Beit HaMikdash. Sur ça, on apprenait qu'il y avait une machloquette entre Rabbi Elazar et Chachamim. Rabbi Elazar va te dire, écoute, pour le moment, faire brûler la moitié du matir, ouais, du échantillon qui permet tout le reste, c'est pas encore bon, parce qu'il y a encore l'autre moitié qui va en faire quelque chose. Et c'est trop tard. Quand tu as fait ta Avera, c'était pas encore une Avera, parce que pour le moment, un Khatsimatir, ça sert à rien. Ça a pas d'effet. Rami nous disait non, Khatsimatir, c'est un début de quelque chose.
Parce que si tu le faisais sur le bêta, à l'intérieur de la Hazara, tu commençais à faire la moitié, puis ensuite l'autre moitié, eh ben, tu aurais par là fait, tu aurais été makriv le matir, tu aurais offert l'échantillon. De ce fait, si tu commences à faire la moitié à l'extérieur du Beth Amikdash, tu t'es quand même, t'as quand même fait l'échantillon à moitié, et de manière que ce n'était pas validé, donc d'après Rabbi, on est passible d'un karet. Tandis que d'après Rabbi Elazar, non, on n'est pas encore chayav, on ne sera pas du tout chayav en fait, parce que la moitié de l'échantillon ne suffit pas. Jusqu'à que tu fasses le deuxième échantillon dehors si tu veux. D'accord ? Tu veux absolument être chayav karet, très chayav. D'accord ? C'est le principe. La Mishnah maintenant, elle va revenir à la charge dans plusieurs situations où il y a justement ce principe-là, où il va y avoir le matir, l'échantillon, qui va avoir un volume important, il va être composé de plusieurs éléments pour pouvoir, plusieurs éléments qui vont composer l'échantillon, et où tu vas commencer, tu vas faire que la moitié de l'échantillon à l'extérieur du Beth Amikdash, est-ce que tu seras passible ou non? Et on peut traduire tout de suite les deux tiers de la Mishnah, regardez. A Kometz va Levona. Le Kometz, c'est l'échantillon qu'on prélève d'une mincha. La Levona, c'est une encens que l'on apporte soit lorsqu'on en fait une mincha, ou soit encore il y a la levona du lechem apanim aussi. La levona du lechem apanim, c'est les 12 pains que l'on apportait le Shabbat, il y avait tout un rituel, que les 12 pains on les partageait entre les Kohanim. Mais avec les 12 pains, il y avait en plus de ça une certaine encens qui était là-bas posée sur la table, c'était la levona, il y avait shnei bazichei levona, il y avait deux petites, je sais pas comment dire, des pipettes, deux petits ustensiles, où il y avait deux cuillères, où se trouvait là-bas la levona. Et ces deux choses-là, ces deux ustensiles, il fallait les brûler entièrement sur le misbéach. D'accord ? En tout cas, la Mishnah maintenant m'enseigne. A Kometz va Levona, qu'il s'agisse du Kometz, de l'échantillon que tu as prélevé de la Mincha, ou qu'il s'agisse de la Levona de l'encens. Sheikriv et Echad Mehen Bachutz. Ah, donc là, on est en train de parler plutôt d'une Mincha. Après, on va parler du Lechem Apanim. Pour là, on est Kometz va Levona. Donc, lorsqu'on fait une Mincha, il faut à la fois le Kometz et la Levona les faire brûler, sur le misbéach. D'accord ? Pour pouvoir permettre le reste de la Mishnah, de la Mincha, c'est-à-dire, excuse-moi, je fais un petit peu d'ordre. Je viens avec ma Mincha, il doit y avoir dedans, donc le Kohen va devoir prélever l'échantillon, et en plus de ça, récolter la Levona qui doit être aussi posée là-bas dans le Kli, et de la récolter, et aussi la faire brûler sur le Misbéach. Et les deux ensemble vont, ça s'appelle le Matir de la Mincha, les deux ensemble vont permettre maintenant le reste de la Mincha aux autres aux Kohanim pour être consommé. L'un sans l'autre, on n'accomplit pas la mitzvah d'offrir la mincha. Selon ce principe maintenant, lorsque tu vas faire une mincha, il y a Akometz Valevona, ces deux éléments-là, Sheikri Vatechad Mehen Bachutz, où il a fait monter sur l'autel à l'extérieur du Beth Amikdash un seul des deux uniquement, Chayav, et bien il sera quand même Chayav, il sera passible de l'interdit de Mahalé, selon Chachamim. Même si pour le moment la mincha, tu n'as pas encore fait tout le matir, tout l'échantillon, il n'a pas encore été offert. De ce fait, la mincha n'est pas encore permise, mais pendant ce que tu as fait, c'est une avoda valide pour le moment. De ce fait, on est chayav d'après Chachamim. Rabbi Elazar poter. Rabbi Elazar va te dire non, tu seras pour le moment, tu n'es pas chayav. Hachi yakriv et hacheni, jusqu'à qu'il va aller chercher en plus de ça l'autre élément. Donc s'il a commencé avec le comète, il faudra aller chercher la levona. S'il a commencé avec la levona, il faudra aller chercher le comète pour le faire monter lui aussi sur l'autel pour être passible du korban. Par contre, Echad bifnim ve'echad bachutz chayav. S'il a commencé à faire la moitié à l'intérieur du Beth Amikdash et l'autre moitié en deuxième lieu, il a fait monter à l'extérieur du Beth Amikdash, là il sera chayav même d'après Rabbi Elazar. D'accord ? C'était vraiment le même principe. On continue encore dans une autre situation. Cette fois-ci, on va parler du Lechem Apanim. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les 12 pains, la voda du Shabbat, il fallait apporter 12 nouveaux pains, remplacer les anciens pains, récupérer les autres pains, récupérer la levona, partir faire brûler la levona sur le Misbéach et les 12 pains, on les partageait au Kohanim qui était là-bas dans l'Azara. La levona, l'encens que l'on va apporter sur le misbéach, c'est en parallèle, c'est l'échantillon qui permet le pain. Et là-bas, il y avait deux bazichei levona. De ce fait, shnei bazichei levona, les deux cuillères où se trouvait la levona, shikri v'techan men bachutz, dont il a offert le premier bazichei levona, la première cuillère d'encens, il a fait monter à l'extérieur du Beth Amikdash. Alors, Chachamim nous dit, Chayav, bah tu es Chayav pour le moment, même si ce n'est que la moitié de l'échantillon, le Korban, il n'a pas encore invalidé, étant donné que l'autre moitié, tu peux encore la faire monter, donc tu as le libre choix de le faire. Ce que tu as fait pour le moment, c'est même Chatzimatir, tu es quand même Chayav pour le moment, tu es quand même Chayav d'après Chachamim. Rabbi Elazar, Poter, Rabbi Elazar va nous dire, non, pour le moment, tu n'es pas encore Chayav.
Hachi Akrivet Hacheni, jusqu'à qu'il va faire monter le deuxième Bazir Levona, le deuxième ustensile où se trouvait là-bas la Levona, il va la faire monter aussi la deuxième, et alors là il sera Khayav. Par contre, Echad Bifnim Vechad Bachutz, il a commencé à faire monter une première, un premier Bazir, une première dose de Levona, il l'a fait monter sur le Mizbeach à l'intérieur du Beth Amikdash, Bifnim. Echad Bachutz, et après il a pris le deuxième, il est parti le brûler à l'extérieur du Beth Amikdash. Cette fois-ci, même d'après Rabbi Elazar, Chayav. C'est clair? Bon, prochain. Maintenant, on va passer à un sujet qui est très ressemblant. Et je vais esquiver, je vais vous expliquer. On traduit tout de suite. Azorek miktsat damim bachus, Chayav. Celui qui va jeter un petit peu du sang à l'extérieur du Beth Amikdash, il sera Chayav. De quoi on parle? Même principe. Toute chose qui revient au Mizbeach, si on le fait à l'extérieur, on sera Chayav. Qu'il s'agisse des choses que l'on brûle, ou qu'il s'agisse aussi des sangs que l'on asperge. Soit, j'ai fait ma hola, je l'ai égorgé, j'ai récupéré le sang. Ce sang-là, je devais l'asperger sur le Mizbeach. Si je suis parti l'asperger sur un hôtel qui se trouve à l'extérieur du Beth Amikdash qu'on a construit là-bas, eh bien on transgresse l'interdit de Ma'ale Bachutz, de faire une offrande à l'extérieur du Beth Amikdash. Même si on ne brûle rien, le simple fait d'asperger à l'extérieur du Beth Amikdash, ça fait qu'on transgresse l'interdit. De ce fait, la Mishnah m'enseigne. Tout korban, même si tu devais parfois faire shtaim shana arba ou bien arba matanot, tu devais faire 4 dons de sang, 4 aspersions, 2 qui font 4, peu importe. Dans tous ces cas-là, malgré tout, si tu as pris même un tout petit peu du sang et tu es tout de suite parti dehors, à l'extérieur du Beth Amikdash, et l'asperger même une seule fois, eh ben, on sera passible de l'interdit, on transgressera l'interdit de ma'alé. Selon le même principe, pour le moment, je vais parler selon Chachamim. C'est très simple, son Khamim c'est parfait. Dès que tu as fait quelque chose à l'extérieur du Beth Amikdash, pour le moment c'était quelque chose qui devait revenir au Mizbeach, et ben tu l'as fait à l'extérieur du Beth Amikdash, on est Khayav. Mais cette fois-ci, même Rabbi Elazar, il reconnaît. Et là, ça va se décomposer en deux plans. Une partie facilement compréhensible, et une partie que je vais sortir mon joker pour vous dire, je ne vais pas vous en parler. D'accord? Première partie d'abord qui est claire, c'est quoi? C'est que vous vous souvenez que selon, on apprenait là-haut, dans Perek Ramishi et tout ça, que tout, dès qu'on a donné même une seule Perek Bet Shamay, Perek Shlishi, j'ai plus, que sur le Mizbeach Hafritson, dès qu'on a donné même une seule Matana, un seul don, on s'est quand même acquitté du Korban, a posteriori. Il y avait une Mizah d'en donner 4, mais même si on a fait un seul, on s'est acquitté. De ce fait, un seul don de sang, c'est déjà le matir. Donc, Rabbi Elazar va me dire, ben, si tu as donné même une aspersion à l'extérieur du Beth Amikdash, la première aspersion, bien sûr, eh ben, on transgressera quand même l'interdit de Ma'ale Bachutz. Puisque cette fois-ci, c'était le matir, le premier don de sang, la première aspersion du sang, c'est le matir qui va permettre tout le korban. Le reste, ça s'appelle une mitzvah, mais ça invalide pas si on l'a pas fait. De ce fait, le fait d'asperger une fois à l'essor du Beth Amikdash, ça suffit pour être passible du Chiyuv Karet. Pour le moment, c'était simple. Et même Rabbi Elazar, il est d'accord avec le principe, comme je vous ai dit, parce que même un don de sang, c'est le matir. Ça se complique maintenant avec un petit détail, je vous le dis quand même par fidélité, mais j'esquive l'explication, sinon on en a pour une heure. C'est que, selon les règles des korbanot, on avait dit que tout korban qu'on doit faire sur le Mizbeach Ritson, qu'on doit faire sur le Mizbeach Haolad au Beth Amikdash, dès qu'on a donné même un seul don de sang, c'est quand même acquitté de la mitzvah d'asperger le sang. À la différence de ceux que l'on doit asperger dans la Hazara, dans le Echal. Dans le Echal, il y a des korbanot qu'il faut donner, qu'il faut asperger aussi le sang dans le Echal. Ben Abadim, à Kippour, il faut asperger même dans le Kodesh HaKodashim, ou bien juste sur la parochet, sur le rideau, asperger sur le Mizbeach, à Pnimi. Ben, tous ces korbanot-là, il y a une grande règle, qu'il faut nécessairement, chaque don de sang, il invalide tout. C'est-à-dire, si la Torah t'a demandé d'asperger 11 fois, ouais, 7 plus 4, et ben, t'es obligé de faire les 11. Avec un seul don, tu t'acquittes pas. D'accord? Donc, de ce fait, maintenant, si toutefois il y avait un korban, un Seir Anessa Bifnim, ouais, un korban qu'on devait asperger à l'intérieur du Echal, et qu'on a pris le sang, on est parti l'asperger à l'extérieur, avec un seul bon sang, la Mishnah, elle va me dire que tu seras Chayav. Il y a quelque chose de très compliqué à comprendre, que même d'après Rabbi Elazar, ce sera le même principe. D'accord? Si vous regardez, c'est rapporté dans Tosfot Yom Tov, rapporté dans le Tiferet Israël. Je ferme le sujet parce que ça va rentrer dans trop de détails et il faut aussi savoir se limiter à ce qu'on peut comprendre facilement. D'accord? Maintenant, on continue avec Rabbi Elazar. Maintenant, on va parler d'un autre sujet. Jusqu'à maintenant, on parlait de l'aspersion du sang.
Rabbi Elazar Omer, Afa Menaser, Mei Achag, Bechag, Bachutz, Patour. Et Chayav. Rabbi Elazar va me dire, même celui qui va verser, asperger de l'eau, Mei Chag, l'eau de la fête, Bechag, pendant la fête, Bachutz, à l'extérieur, Chayav Isra Chayav. Vous savez bien qu'à Sukkot, on est jugé sur l'eau, les quantités d'eau que Hachem va nous faire tomber durant l'année. Il y a un rituel particulier à Sukkot de verser de l'eau sur le Mizbéach. C'est expliqué longuement dans la Masechet Sukkot, l'histoire de tout Sukkot, toutes les mitzvot de Sukkot tournent autour de l'eau, avec le Lulav et avec la Rava, c'est encore le même principe. Au Beth Amikdash, là-bas, il y avait des jours, la Simchat Beth HaShoeva, parce qu'on allait puiser de l'eau. D'accord, il y avait tout un rituel qu'on faisait le matin avec de l'eau. Machloket, quel jour exactement? Est-ce que c'était tous les jours ou certains jours de Sukkot? Peu importe. Donc là, il y avait tout un rituel qu'on faisait avec de l'eau, d'asperger, d'aller verser de l'eau, en fait, sur le Mizbeach. Comme pour les Korbanot, on peut faire des Nesachim, des oblations de vin, et bien à Sukkot, il fallait faire une oblation d'eau. Rabbi Elazar vient me dire, tu sais quoi? Si à Sukkot, ça te prend de verser de l'eau sur un autel à l'extérieur du Beth Amikdash, et bien on sera aussi Chayav. D'accord? Principe très simple. Chachamim ne sont pas d'accord avec ça, parce qu'ils vont dire que verser de l'eau sur le Mizbeach à Sukkot, ce n'est pas explicite dans la Torah, mais c'est une halakha le Moshe Misinaï. Dans ce cas-là, il n'y a plus d'interdit de Malé Bachutz. Le Tosfot Yom Tov rallonge pour expliquer le principe. C'est... D'accord? On a évoqué le sujet. Ensuite, Rabbi Nechemia Omer, l'halakha l'établit comme Chachamim, pas comme Rabbi Elazar, soit qu'il n'y a pas de mitzvah d'Eoraïta. Il n'y a qu'une halakha le Moshe Misinaï, et de ce fait, on n'est plus passible de Malé Bachutz, celui qui va verser l'eau sur un Mizbeach à l'extérieur du Beth Amikdash pendant Sukkot. On continue. Rabbi Nechemia Omer, She'ara Adam She'ikrivan Bachutz, Chayav. Alors, Rabbi Nechemia, il parle d'autre chose. Il parle par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, justement. C'est pour ça que j'ai quand même voulu aussi l'évoquer, parce que ça nous allège maintenant la tâche. On parle, Rabbi Nechemia, d'abord je traduis, She'ara Adam, les restes de sang, She'ikrivan Bachutz, qu'il a offert à l'extérieur du Beth Amikdash, Chayav, il sera aussi Chayav. De quoi on parle précisément? Le Bartholomew explique qu'on parle des Danimim Anesa Bifnim. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des korbanot particuliers, très solennels, par Imanisraphim ou Sirimanisraphim, qu'il faut offrir, ou qu'il faut asperger le sang à l'intérieur du Echal. Selon une quantité de sang, est-ce qu'il fallait 7 aspersions, plus 4, est-ce qu'il fallait en faire même plus que ça ou pas? Ok. Ces korbanot-là, une fois qu'on a fini d'asperger tout le sang qu'il fallait faire à l'intérieur du Echal, lorsque le Kohen sortait du Echal, il devait les verser sur le Mizbeach Haola. Les restes, il devait les verser sur le socle, sur le Yesod du Mizbeach Haola. Il devait aller les verser là-bas. Il y a une machloquette essentielle qu'on trouve fréquemment dans Svarim, à savoir, est-ce que Shiare Adam Me'agvim ou Lo Me'agvim, est-ce que le fait de verser les restes de sang sur le Mizbeach pour les Korbanot qu'il fallait asperger le sang dans le Echal, est-ce que verser le sang à l'extérieur du sur le Mizbeach qui est à l'extérieur du Echal, donc qui est dans la cour, dans la Hazara, est-ce que c'est une obligation au point d'invalider le Korban ou non? Selon Rabbi Nechemia, ça invalide. De ce fait, si le Kohen y va, quand il va ressortir du Echal, il va partir verser les restes de sang à l'extérieur du Beth Amikdash sur un autel, eh bien, il transgressera aussi l'interdit de Ma'ale Bachutz. Et ceux qui sont Ven al-Hakir Rabbi Nechemia, l'Alacha n'est pas établi comme Rabbi Nechemia, mais comme Chachamim, qui vont nous dire que Shiare Adam en Mechabrin, les restes de sang à asperger sur le Mizbeach Haola, ce n'est pas Me'akev, en Me'agvin. Ça rend pas, ça invalide pas le korban. De ce fait, il les asperge à l'extérieur du Mizbeach, à l'extérieur du Beth Amikdash. Il ne va plus transgresser l'interdit du Malé Bachutz. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.